Bon, on arrive au premier thème de cette permanence pour un monde meilleur, qui est l'avoir et le paraître ne peuvent pas être rassasiés. On ne peut pas remplir le gouffre que nous avons en nous, ce gouffre de cette quête de la vie, par de l'avoir, donc de la possession matérielle, et du paraître, un rôle joué. Pourquoi on ne peut pas, me direz-vous? Parce que le gouffre intérieur, il est à l'intérieur. Par essence. L'avoir et le paraître, c'est forcément extérieur. C'est possession matérielle, donc c'est extérieur. D'accord? Et le paraître, c'est un rôle joué, c'est pareil, c'est aussi à l'extérieur. C'est doublement à l'extérieur parce qu'il a une valeur. En réalité, dans le conscient collectif, il a une valeur que dans ce que les autres accordent ou pas comme valeur à cet avoir ou à ce paraître. Par exemple, si je vous dis, un mec qui a un yacht, il a un yacht, super. Il paraît quelque chose, il paraît riche. Il a beaucoup matériellement, très bien. Mais si tout le monde a un yacht, à ce moment-là, c'est plus exceptionnel. Donc, il n'a plus rien d'exceptionnel en réalité. Tout le monde a un yacht. Donc, le yacht, intrinsèquement, qui est sa richesse aujourd'hui, n'est pas sa richesse intrinsèque. Tu vois. Donc, c'est parce que ça a une influence ou ça a une importance dans le regard d'autrui que le mec se sent bien. Mais si les gens disent, non, mais en fait, un yacht, ça ne sert à rien parce que c'est matériel, à ce moment-là, son yacht n'a plus de valeur et il a l'air d'un con. Donc, si l'avoir et le paraître sont des choses qui ont une valeur dans le conscient collectif, elles ne peuvent pas avoir de valeur dans l'intérieur. C'est les autres qui doivent remplir cette conscience collective ou croire en quelque chose de commun pour que ça ait une valeur. Donc, comment voulez-vous que le collectif puisse remplir ce gouffre intérieur qui est individuel, qui est personnel? C'est à vous de le remplir par l'être. Dossier encore technique, hein, les gars. Faut s'accrocher, je vous ai dit, hein, le matin, je vous dis, accrochez-vous. Donc on s'accroche, et je vous dis, si vous ne comprenez pas, c'est la seule vidéo où tu peux être en live. Tu viens, et on débrief. Tu as une question, tu sais, sur Internet, souvent tu peux dire, ah, il est bien son tuto, mais comment il fait ça? Tu ne peux pas voir le mec. Tu peux lui mettre un petit commentaire. Là, tu peux venir voir le gars, et on discute. Hein, c'est l'avoir et le paraître, c'est bien, mais ça a une valeur dans les yeux des autres, donc ça ne peut pas vous remplir vous. C'est pour ça que ça ne peut pas vous remplir, et ça, c'est pour ça que ça ne peut pas être rassasié. Voilà pour ce petit thème. Je vous reprends donc dans le thème juste après avec la gouache, et là c'est encore du thème explosif. Allez, tôt !